Bonjour, merci beaucoup une nouvelle fois de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Donc, je suis très heureux de vous faire la présentation aujourd'hui. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous présenter la nouvelle norme, une norme qui a été mise en place par l'Union européenne, dont beaucoup de nos clients nous demandent de plus en plus d'informations et il nous semblait essentiel ou important d'apporter une réponse à cette demande. Aujourd'hui, donc, la norme EN12604, c'est une norme qui a été développée pour limiter les risques d'accidents sur les portails. Donc, nous allons voir le domaine, le champ d'application. Et nous verrons également les solutions que nous pouvons lui apporter. Vous le savez, très régulièrement, dans les journaux ou dans les journaux spécialisés, on peut lire des articles sur des accidents qui sans doute auraient pu être utilisés avec ce dispositif. Et donc là, en l'occurrence, c'est pour cela que cette norme a été mise en place. Les exigences. Il y a plusieurs exigences dans cette norme. Je dirais que la plus importante, c'est la protection contre la chute des portes et des portails pivotants. Les ventaux doivent être protégés contre les chutes en utilisation normale en cas de défaillance d'un élément de fixation, type charnière. En cas de défaillance de la charnière, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre en place un dispositif anti-chute du ventail, c'est-à-dire de maintenir le ventail du portail à un écart maximal de 300 mm par rapport à l'axe de rotation. Je m'explique. Si vous avez votre axe de rotation, ce que veut dire la norme, c'est qu'en gros, avec un décalage de 300 mm maximal, la porte ne doit pas tomber. On doit accepter juste 300 mm si on a une défaillance de la charnière. Vous le voyez à l'écran, et grâce à ce nouveau produit dont je vais vous détailler tout de suite la technique de ce produit, on limite justement la chute du ventail à 300 mm. Le nouveau produit, donc c'est celui-là, c'est le U-Safe. C'est un câble anti-chute. C'est un câble anti-chute qui a une résistance de 1500 kg. Il vous permet, enfin en tout cas, il peut s'adapter, il peut être mis en place sur des ventails de 500 kg maximum. C'est un câble en acier inoxydable d'une épaisseur 5 mm avec une gaine recouvrante translucide. Et surtout les deux supports qui sont ici et ici, qui se fixent avec des quick fix. Donc vous avez juste deux trous à faire, un sur votre poteau, un sur votre cadre. Grâce à ce système, vous répondez totalement à la norme 12604. Et surtout, c'est très simple à installer, que ce soit sur de la rénovation ou que ce soit pour du neuf. Il y a également d'autres exigences sur cette norme, notamment une exigence sur l'anti-levage. C'est-à-dire, en gros, que nous indiquons, ou du moins la norme indique, qu'il ne faut pas pouvoir lever le portail de plus de 50% par rapport à l'axe de la charnière. En l'occurrence, sur l'ensemble de notre gamme, toutes nos charnières sont équipées d'un dispositif d'anti-levage. On ne peut pas relever la porte. Mais vous le voyez à l'écran, il y a encore des systèmes comme ça sur le marché, du type des pommelles Maroc ou d'autres types de charnières, sur lesquels on peut justement lever le portail. Donc il est bien important de prendre en compte le fait que, dans cette norme, on indique qu'il ne faut pas pouvoir relever le portail de plus de 50% de distance par rapport à l'axe de la charnière. Il y a également d'autres paramètres dans cette norme, la protection contre les mouvements contrôlés non intentionnels. Le mouvement doit être limité par des butées. Il y a également une résistance à l'énergie que la porte peut développer pendant l'impact. Alors, à l'écran, vous voyez, vous avez deux produits que nous pouvons proposer. La butée classique, la butée de sol, qui va justement limiter la course de la porte, donc le get stop. Et ensuite, vous avez l'UGC, qui est un arrêt de porte, qui va lui bloquer en position ouverte et donc bloquer tous les mouvements, je dirais, incontrôlés. Ensuite, vous avez également la protection contre les mouvements dus au vent, qui est un paramètre qui est très important. Vous avez donc, nous, deux possibilités. Vous avez le ferme-porte, le ferme-portail classique, qui va lui donc limiter et surtout créer de l'effort sur la porte, donc éviter ces mouvements dus au vent. Et puis ensuite, vous avez l'arrêt de porte, tout simplement parce que vous pouvez, grâce à un arrêt de porte, bloquer en position ouverte votre porte. Donc grâce à ces deux produits, vous répondez une nouvelle fois à ce troisième paramètre de la norme. Enfin, il y a, pour terminer, les portails qui fonctionnent par gravité. C'est-à-dire que vous êtes sur des portails où naturellement, ils vont se refermer dû au fait de leur inclinaison par rapport à la situation où ils sont posés. Là-dessus, il y a trois éléments. Il faut éviter l'écrasement lorsque le dispositif est en activité, en fonctionnement. La vitesse de fermeture ne doit pas dépasser 0,3 mètres par seconde. Et enfin, la force ne doit pas dépasser 200 N.
Dans cette situation, donc, nous avons deux produits éventuellement que l'on peut proposer afin de répondre et surtout d'éviter ce mauvais fonctionnement. Vous avez le ferme-porte Samson et vous avez également le ferme-porte Rhino. Vous le voyez à l'écran, le Rhino il a été installé avec des charnières à régulateur de pente. Donc si vous n'aviez pas de ferme-porte pour contrôler la fermeture, vous auriez un risque d'écrasement et surtout la vitesse dépasserait sans doute les 0,3 mètres par seconde. Voilà, là vous avez vu les différents champs d'application et surtout les réponses qu'on peut apporter à cette norme. Une nouvelle fois, on garantit une installation simple et rapide de l'ensemble de nos produits, ce qui vous permet d'adapter très facilement des portails d'adapter très facilement des portails à la norme EN12604, que ce soit du neuf ou de la rénovation. Et ensuite, l'une ou l'autre de nos solutions, ou même en combinaison, va vous garantir une totale sécurité, et je dirais même plus encore, une garantie à l'ensemble des utilisateurs. N'hésitez pas à consulter notre site internet pour avoir différentes informations sur l'ensemble de ces produits ou sur l'ensemble de cette norme, enfin sur l'ensemble des paramètres de cette norme. Toute notre équipe commerciale se tient à votre disposition, ainsi que tous nos distributeurs, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos produits. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.